Salut YouTube! Du coup, comme tous les mardis, hein, live et lecture, enfin tous les mardis, sauf ceux où Fujimoto prend une pause, mais on va se lire le dernier chapitre de Chainsaw Man, là, le 145, qui s'appelle Kumbaya. Alors là, j'ai aucune putain d'idée de ce que ça va être, mais bon. Donc voilà, puis après, comme d'habitude, on cite War of God, et puis après, à la fin, voilà, on aura un programme un peu particulier. Bref, on va commencer sans plus tarder. Oula, c'est un peu fort la musique là, peut-être. Bref. En tout cas, ça commence avec de l'épique. Hop, allez, let's go. Kumbaya. Merde, c'est pas ça. Ah! Hop. Tous les établissements en rapport avec l'église de Chainsaw Man situés à Tokyo, Kanagawa, Fukuoka et Osaka sont à présent sous contrôle. Les armes à feu qui s'y trouvaient dissimulées ont été saisies. Quid des mineurs liés par des contrats illégaux, ils ont été placés au centre de gestion de démons. Appelez leurs parents, débrouillez-vous pour qu'ils forment une association de victimes et convoquez aussi les médias et convoquez aussi les médias qui nous fassent des images de leurs tronches larmoyantes. Toujours ce cynisme chez Fujimoto, tu sais. Bref. Attends. Ouais, ça. Ah, et puis autorisation d'arrêter le démon guerre, alias Asami Itaka. On ne peut pas laisser le symbole de leur église traîner dans la nature. Ils savent que c'est le démon guerre, du coup. J'espérais qu'elle changerait de Chainsaw Man en arbre. Oula, attends, mais c'est qui lui? Oui. Attends, c'est qui lui? Direct, il commence, il sort des dingueries comme ça. Patron, l'expert en domination, en dénomination, vous demande, il paraît que c'est urgent. J'arrive. Au bout du compte, cette église, c'était quoi son but au juste? Jouer à Chainsaw Man, j'imagine. Mais c'est vrai que ça menait à rien, en fait, donc c'est qui? Bon, il doit y avoir un autre truc derrière, quoi. Baruem Burik, numéro 2 de l'église de Chainsaw Man, vous êtes en état d'arrestation pour trafic d'armes et transactions démoniaques impliquant des individus mineurs. Pour ta future reconversion, je recommande la sécurité publique. Arc et Katana ont déjà rejoint nos rangs. Arc et Katana... Ah, Katana Man ! Ah, et du coup, Katana Man, il a la sécu. Ah, mais oui, je suis con, attends. Oh, je me souviens plus, on l'a vu. Oui, on l'a vu, je suis con. Bah oui, non, mais bref, j'avais plus... ça a causé 2 semaines, j'avais plus le truc en tête. Ton car design n'est pas assez développé pour savoir tout ça. Ouais, non, mais c'est pas faux. Et oui, toujours pas de bombe. On peut discuter de tout ça plus tard. Le soleil se couche, là. C'est le plus bel instant de la journée. Je me demande s'ils vont vraiment attendre, du coup. Moi, je suppose que oui. Hein. Ça, une porte. Au terme de nos analyses, il paraît que ce démon aussi, il y a peu vraisemblablement par Chainsaw Man, n'est autre que le démon justice. Ok. Ouais, enfin, c'est pas le vrai, je pense. Il ne pourrait pas. Ah, en fait, ah, ok, c'est ça le expert des. Comment? Merde, comment il appelle ça? L'expert en dénomination. Ah oui, ça veut dire qu'il y a un expert qui estime le nom des démons. C'est marrant, ça. Il ne pourrait pas s'agir du démon équité ou égalité ou un truc dans ce goût-là. Son nom est justice, aucune erreur possible. Ce qui appelle de ma part une question. Si je ne m'abuse, les croyants de l'église de Chainsaw Man étaient en mesure d'employer par les pouvoirs octroyés par le démon justice après la mort de ce dernier. C'est exact. Selon les rapports des fidèles exécutés par la quatrième section. Selon les rapports, des fidèles exécutés par la quatrième section en usaient. Et vous avez envisagé la possibilité que leur contractant soit un autre que le démon justice? J'ai pas compris ça. Attends.
Ah bah ça, il parle de Kiga sûrement. Bref. Je me trouve actuellement à l'antenne de l'église de Chainsaw Man située à Okinawa. Voyez les images. En ce moment même, des fidèles ayant illégalement passé contrat avec le démon justice affrontent des Devil Hunter. L'église de Chainsaw Man s'effondre. Mais encore ces putains de portes. Fujimoto, il a un truc avec les portes là. Elle appartient, c'était Denji, maintenant c'est à ça. Démon guerre, tu m'entends? Mets les mains derrière la terre, la tête et couche-toi au sol. Que l'ennemi découvre notre identité et vienne nous chercher ici. Jusqu'ici est une éventualité à laquelle j'avais réfléchi. Cette chambre, elle m'appartient, alors je vais faire de l'appartement 606 mon arme. Après quoi, je te laisserai le contrôle de mon corps. Tu es nettement plus hardi et déraisonnable qu'à l'époque où je t'ai rencontré. C'est vrai, c'est entièrement ta faute. Mais c'est vrai que à ça, on a eu un peu un... Comment ? On a eu un peu une ellipse parce qu'on s'est vraiment centré sur Denji, qui vivait un peu son quotidien sans être Chainsaw Man. Et puis pendant ce temps-là, en off-screen, t'as Asa qui faisait le démon guerre et tout, machin. Et mine de rien, par rapport à la dernière fois qu'on l'a vue, elle a pas mal évolué, tu vois. Déjà qu'elle évoluait pas mal de manière générale, parce qu'elle était confrontée à tout ça de manière naturelle. Bref. Bon, du coup, à quoi ça va ressembler une arme appartement? Appart 600... L'âme... Ah non, elle s'est fait direct own par Yoshida, du coup. Kumbaya, my lord, Kumbaya, Kumbaya, my lord, Kumbaya. Oula, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer un truc, là, je reconnais une scène de Fujimoto quand il va se passer un truc, là. Je reconnais la construction. Petit point de vue, tu vois, un mec qui dit des trucs chelous, point de vue sur Denji, machin, en mode, il y a tout qui se passe bien. Coucher de soleil... Va y avoir une double page. Va y avoir une double page. Ah non, presque. Non, ça sera. Bon, j'étais pas loin. J'étais pas loin. C'est une page complète, pas double, mais. Non, c'est juste à ça qui se fait défoncer. Il fait pas semblant, Yoshida là. Il déconne plus. Tu me diras, ça faisait trop préparer le plan de transformer l'appart en arme. Donc c'est pas plus étonnant que ça. Mais je comprends pas pourquoi il dit ça l'autre du coup. Va sûrement y avoir un truc au prochain chapitre, une dinguerie. Bon du coup, prochain chapitre la semaine prochaine. C'est bien ça. C'est une chanson afro-américaine qui est un appel à Dieu. Ah! Ok. Je sais pas qui c'est son dieu à ce mec, mais... ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Sûrement des souvenirs de colo de vacances qui lui reviennent. Enfin bref. Bon de toute façon là c'est... Là je pense qu'au prochain chapitre... Il y a moyen qu'on ait une dinguerie. Hein. Parce que franchement je m'attendais à largement pire quand j'ai vu la scène de préparation là. Tu vois, en quatre parties, tu vois, point de vue sur le perso un peu chelou, petit point de vue sur Denji, point de vue machin avec des paroles un peu mystérieuses et tout sur du paysage, Yoshida. Tu vois, je m'attendais vraiment à une double page pour le coup, mais je savais pas qu'on avait déjà fini le chapitre. Ouais, 16 pages le chapitre. Bref.
Bon, on verra bien la semaine prochaine, hein, du coup. Mais de toute façon, bah, comme d'hab, un chapitre super cool. Ça serait insane, un démon dieu. Bah, je sais. En vrai, je sais pas s'il y aurait ça. Parce que le pouvoir des démons, ça tient à leur. À la peur que génère leur concept. Pas à leur concept en eux-mêmes, tu vois. Genre. C'est pas parce qu'il y a un démon dieu que le démon sera puissant, en fait. Parce que, tu vois. C'est un peu comme le démon enfer qui se fait être buté par le démon Chainsaw Man. Dont j'avais pu parler en vidéo. S'il y a pas de croyant pour craindre Dieu, le démon Dieu, il sera faible. Mais du coup, on est d'accord que le démon justice qu'on voit chaos, c'est le même que celui qui voulait manger Chainsaw Man durant l'arc du démon chute. Bah oui, enfin moi, c'est ce qui me semble. Hein. Il a l'air d'avoir vraiment la même gueule. Hein. Cette espèce de tentacule un peu bizarre. D'ailleurs, c'est vraiment marrant, d'ailleurs, comme le lore, il s'étouffe un petit peu, petit à petit, genre, le mec qui est spécialiste en hommage de démons, tu vois, genre. Comment ils appelaient ça? Expert en dénomination. C'est marrant, ça. C'est toujours dans l'envie de Fujimoto, tu sais, de rendre son univers le plus crédible, enfin, dans le sens où... Comment dire? Même le plus cynique, tu vois, un peu... Enfin bref, je pense que vous avez compris là où je voulais en venir. Une des premières fois de la deuxième partie qu'on voit un Yoshida sérieux. Bah de la première... Même de la première partie, en fait. Hein. Première partie, il a jamais été sérieux. Même quand il se battait contre Quan Chi, il était au calme, tu vois. Mais ouais, du coup, là, je sais pas ce que ça veut dire. Par contre, la dernière page, elle me fume. Genre, c'est quoi le contexte de ce truc-là? Oh Lord Kumbaya. Vraiment, ça n'a aucun sens. Je pense, un mec, tu lui montres cette page-là, il se dit, mais... Hein? Quoi? Enfin, bref. Non, je trouve ça marrant. En vrai, un démon diable, du coup... Bah ça existe déjà plus ou moins, il y a bien le démon, on a vu le démon enfer dans la partie 1. C'est à peu près le même principe. Vu comment fonctionnent les démons, c'est évident. Ouais bah oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que c'est évident. Yoshida, il protège Denji de la sécurité publique, on dirait. Je sais pas. Si ça existait, c'est vraiment sûr qu'il y aurait un métier comme ça, en gros. Bah oui, clairement. Mais tu sais, il aime trop faire ça, Fujimoto, tu sais, c'est... comment... C'est pareil, bon, en vrai, je vais rien dire, parce que à chaque fois, je vous parle de la vidéo sur Fire Punch, à chaque fois, elle sort pas, donc... Mais genre, je vais parler un peu de son habitude à vouloir mettre... à vouloir rendre réaliste son univers. Enfin, ses univers. Sympa ce chapitre. Bah ouais, génial, génial. Comme d'habitude. Quid du démon dieu, Baruem, le mec lance-femme, paraît dévot si ce n'est pas fanatique. Non mais oui, non mais c'est ce qu'on discutait tout à l'heure, sauf que on se disait, ça se trouve, le démon dieu, il est peut-être naze. Hein. Oui, non mais c'est pour ça que je disais réaliste. C'est ça que... Mais oui, ça se trouve, le démon dieu, il va être naze. Après tout, le démon enfer, c'est un peu fait défoncer. Enfin, naze, non, peut-être pas non plus, hein. Pas abusé. D'ailleurs, ça en est où cette vidéo? Tout est fini sauf la partie à du RI où t'as besoin de la vidéo.
J'ai besoin de la vidéo, que la vidéo sur Radio Eri sorte pour sortir celle sur Fire Punch. Mais j'ai pas non plus fait le montage de celle sur Fire Punch. Radio Eri, ça avance, ça avance. Sauf que Skond Soda, il avance bien, sauf qu'il m'annonce... Ah ouais, en fait, la vidéo, elle va pas faire 35-40 minutes, elle va plutôt faire 55 minutes. 50-55 minutes. Ok, bon, très bien. Très bien, très bien. Bon, du coup, ouais, puis sinon, ouais, la vidéo sur Fire Punch, ben, j'ai plein de trucs à régler, donc... Mais ça avance petit à petit, mais ça avance. Là, maintenant que j'ai repris le boulot, ça avance lentement, mais voilà, ça viendra, petit à petit. Les éléments de Fujimoto, Kumbaya, c'est une chanson chrétienne hébreu à l'origine, qui est maintenant chantée en Afrique surtout. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit dans le chat tout à l'heure. T'as une preuve de son avancement au moins ? Bah, il m'a dit qu'il en était à une demi-heure de montage, donc... Pourquoi t'as besoin de la vidéo, que la vidéo sorte avant? Bah parce qu'en fait, dans la vidéo sur Fire Punch, je reviens aussi sur les autres mangas de Fujimoto, en tissant des parallèles entre Fire Punch et ses mangas. Et en fait, je mentionne la vidéo de Soza, tu vois, pour pas juste répéter ce que Soza disait, bah, je lui disais, bah, tiens, enfin, je vais dire, bah, tiens, comme Soza le dit dans sa vidéo, enfin, genre, je dis un truc sans le prouver, mais en disant, bah tiens, allez voir la vidéo de Soza, parce que lui, il explique bien dans cette vidéo le pourquoi du comment. Ah, Elec qui s'abonne. Et oui, joyeux anniversaire Fujimoto, c'est vrai que je me souviens plus, enfin, je crois que je l'ai dit en début de live, mais Fujimoto, il a fêté ses 31 ans. Il a fêté ses 31 ans aujourd'hui. Donc le mec a déjà une carrière de fou furieux à un peu plus de 30 ans, quoi. Il démarre la trentaine. Je ne suis pas Tower of God, mais je me demandais pourquoi c'est divisé en saison, ça a l'air d'être un bordel sans nom. Bah, la division en saison, à la base, elle avait un sens. Genre, l'auteur, en fait, il avait vraiment prévu des parties très spécifiques qui correspondaient vraiment à des pans de l'histoire. Sauf que le problème, c'est que la saison 1, qui est un peu, en gros, l'intro du manga, du webtoon, pardon, bah en fait, elle était assez courte, du coup, vu que c'était un peu une intro, genre 80 chapitres. Sauf qu'après, la saison 2, ben, elle est beaucoup plus longue. Mais genre vraiment, vraiment beaucoup plus. Et en fait, les mecs, enfin, tout ce qui est responsable de Webtoon, tout ça, ils l'ont un peu forcé... Enfin... Non, mais comment on dit? Ils les ont un peu forcé... Bref. Il a un peu été forcé par eux de finir la saison, enfin de, en gros, passer à une saison 3, quoi. Mais et c'est pour ça qu'actuellement, on est dans la saison 3, mais de base, il avait pas du tout prévu ça, et on est censé être encore dans la saison 2, là, actuellement. Donc ça aurait fait une saison 2 avec plus de 500 chapitres. Mais bref. Donc du coup, maintenant, les saisons veulent plus dire grand-chose. Mais dans tous les cas, enfin, c'est pas un concept intéressant, tu vois, ça... Sieur Tower of God reste une histoire linéaire, quoi, de... Enfin, c'est pas une partie avec des trucs... Enfin, une saison avec des trucs différents à chaque fois, quoi, si tu veux. Tu peux pas commencer à la saison 2, en gros. C'est pas possible. Au final, on sait qu'il va couper la saison 2 au moment du grand final de la saison... Et la saison 3 au moment du grand final de la saison 2. Bon, non, on n'en sait rien, mais après, ça serait logique, hein, je pense. Enfin, bref. Ce qui m'atomise, c'est vraiment que le fait qu'il ait sorti Fire Punch à 23 ans. Non, mais oui, c'est un truc de dingue. Hein. J'en reparlerai aussi, mais c'est vrai que le fait de sortir Fire Punch, un manga comme Fire Punch en premier manga, c'est juste de la folie pure. Hein.
Franchement, c'est ça n'a aucun sens. Hein. Genre, je vais revenir dessus, hein, mais juste le premier tome de Fire Punch, la fin, la conclusion du premier tome de Fire Punch, je crois que c'est un des plus beaux, c'est un des plus gros. Enfin, je crois que c'est le premier tome le plus couillu que j'ai vu de ma vie en fait. Genre, premier tome d'un premier manga en plus. Non mais vraiment, c'est normalement personne fait ça, personne fait ça. Mais même un auteur, tu vois, qui a déjà un succès assuré, il fait pas ça d'habitude. Je vous détaillerai pourquoi, en plus ça sera vers la fin de la vidéo, parce que c'est les parties un peu les plus... que je trouve perso les plus complexes à piger. Mais ouais, le... Oui c'est, oui c'est ça, c'est l'introduction de Togata. Togata qui pète complètement, qui casse le cliffhanger et puis qui s'introduit alors qu'elle a rien à voir avec l'histoire, enfin bref. Non, vraiment, c'est hyper risqué. Et je sais pas dans quel monde il était quand il a fait ça. À quel moment il s'est dit que ça serait une bonne idée. Genre, une bonne idée en termes de stratégie, tu vois, pour continuer à être édité et tout. Non, vraiment, c'est un truc de fou, cette fin de tome. Bref, on détaillera ça dans la vidéo. Non, vraiment, c'est un truc... C'est un truc assez fou, ouais. Donc voilà, bon, de toute façon, on va s'arrêter là pour la partie rediff de Chainsaw Man. Il a fait chanter son éditeur, c'est tout. Non mais vraiment, je pense qu'il a dû... il doit avoir des dossiers sur Shinerin pour le forcer à faire ce qu'il... à accepter tout ce qu'il veut faire. Je vais pas pouvoir regarder la vidéo tout de suite, j'ai pas lu Fire Punch, j'hésite à les acheter. Bah en vrai, hésite pas mec, hein, fonce. Et puis la vidéo va pas sortir tout de suite, donc t'as le temps. Ou sinon à l'iler de manière moins légale. Mais non, faut vraiment lire ça. C'est vraiment une dinguerie. Et pour moi, je pense que toute personne qui souhaite créer... ou qui s'intéresse à la création de manière générale, franchement il doit lire Fire Punch. Parce que c'est à la fois une leçon de... Enfin, de plein des manières, c'est une leçon... Bref. Je vais arrêter là parce que tout ça, j'en parle vraiment dans la vidéo bien mieux que je peux le faire en impro comme ça. Mais voilà. Bon bref, c'était bah, du coup un super chapitre et tout comme d'habitude. On va passer du coup sur Tower of God. Donc, je vois que le nombre de spectateurs a un peu monté là, donc désolé ceux qui sont arrivés un peu à la bourre. On a déjà lu le chapitre de Chainsaw Man. Donc là, on va passer sur Tower of God. Je sais qu'il y a moins de gens qui sont à jour, qui connaissent, qui lisent. Donc, n'hésitez pas à vous barrer. Et à revenir dans une heure, parce que dans une heure, enfin dans une heure à peu près, hein, peut-être plus une heure et demie en vrai. Dans une heure, on va parler avec Sam du conflit israélo-palestinien. Parce que Sam vit sur place, donc il pourra nous raconter pas mal de choses. Ça sera pas vraiment un débat, ça sera vraiment juste une discussion posée, quoi. Donc voilà. Voilà. Allez, bon, ben, au revoir YouTube. Et à plus.